Bonjour, c'est Ingrid, bienvenue pour ce nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman de Claire Baglin qui s'appelle En salle et qui est sorti à l'automne aux éditions de Minuit. C'est un roman qui débute par un premier chapitre où l'on voit deux enfants qui courent comme des fous pour aller manger au fast-food. C'est le retour des vacances et du coup, c'est vraiment le Graal que de s'arrêter faire une pause au fast-food pour déguster des bons hamburgers. Et ensuite, on enchaîne sur un chapitre où on découvre en fait une jeune femme qui était l'enfant du premier chapitre et qui en fait passe son entretien d'embauche pour travailler dans un fast-food. Et Claire Baglin va ainsi alterner les chapitres entre des souvenirs d'enfance dans un appartement modeste, dans un milieu ouvrier où le soir elle voit son papa rentrer du travail et un peu parler de ses conditions de travail qui justement se dégradent. Et on va découvrir aussi sa vie de jeune femme comme équipière au sein d'un fast-food. Ce roman est très court, il fait 160 pages, mais c'est une écriture qui est très intense, très rapide, les phrases sont très courtes et du coup je trouve qu'elle décrit vraiment avec grande précision le travail dans le fast-food et moi c'est ça qui m'a passionnée dans ce court roman. On est vraiment happé par tous ces codes de l'univers du fast-food, ces bips qui sonnent, ces frites qu'il faut sortir, le sel qui vous pique les mains, la pression du drive, la pression du client. Et du coup, elle décrit vraiment ça de façon très intéressante, c'est presque méthodique, mais c'est vraiment passionnant. C'est en aucun cas une critique du monde du travail, mais c'est quelque chose qu'elle détaille, elle nous informe et je trouve qu'on ressort vraiment enrichi de ces descriptions qu'elle fait. Le titre du roman En salle fait donc référence à un des postes que l'on occupe quand on travaille dans un fast-food. Si vous lisez ce roman, vous allez effectivement comprendre tout cet univers codifié qui, j'espère, vous passionnera autant que cela m'a passionné. Donc un premier roman très intéressant et j'espère que Claire Baglin écrira un second roman qui sera tout aussi intéressant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau prochain Grand Méchant Book.